Ulysse, parviendra-t-il à rentrer à temps et à éviter le mariage de sa femme? À éviter la mort de son fils? Tous les autres héros qui s'en étaient tirés, tous ceux qui de la mort avaient pu s'échapper, étaient rentrés chez eux, ils étaient bien heureux. Le seul à attendre encore pour rentrer chez lui, retrouver sa maison, sa femme, son fils chéri, et deviner c'est qui, il ne restait que lui. Déjà dans l'Odyssée, il y avait en gros les refrains, en gros les chants, en gros des histoires de patrimoine, de famille. Allez, raconte-nous ton histoire. Oui, de tes malheurs les plus grands. De tes malheurs les plus grands. Raconte-nous. Je t'offre tout. Tu vois le bar est ouvert. Alors serre-toi, oui, tu auras un... J'ai jamais vu un type comme toi. L'éternité, ça se refuse pas. Une vie mortelle, mais quel ennui. Tu ne sais donc pas je suis. Il y a tout autant la véritable Odyssée avec le ton épique que le côté cabaret. On a pris Homère, on a essayé de garder les épisodes qui nous plaisaient le plus, en essayant d'y mettre toujours la continuité, cette notion d'errance. Je traînais, ombre de moi-même. Notre vie se jouait. Le désastre était proche. Notre vie se joue, le désastre est proche. Rendez un malheureux à son chez-lui. Oh, tu es amusant. Et il est amusant. Tu es amusant. Nous n'allons pas nous quitter si vite. Mais tu dois suivre ta route. N'écoute pas les tourments. Je suis parti faire la guerre. À toi. Reçois la malédiction de Poséidon. Raymond décidé, parce que les dieux le veulent. 10 ans de guerre pour la foule.